Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 6 sur Uncharted Lost Legacy. Je suis désolé, ça fait une semaine que vous n'avez pas eu d'épisode, vous avez raison de m'en vouloir, je ne suis qu'une vulgaire salope, mais pour me faire pardonner, j'ai quand même gagné un UHC, c'est pas rien les gars quand même. Merci, merci de me féliciter au moins pour ça et vous pourrez m'insulter évidemment pour le reste. Quoi qu'il en soit, on reprend notre rythme de vidéo Let's Play habituel avec une vidéo tous les 2-3 jours maximum, que ce soit sur Uncharted de Lost Legacy ou Beyond Two Souls. Et puis il y a beaucoup de jeux qui vont arriver, donc qui dit beaucoup de jeux dit aussi beaucoup de vidéos diverses et variées, et ça c'est plutôt cool. Alors, on avait récupéré 3 médaillons la dernière fois en plus d'avoir fait un temple. Il nous en reste 5 sur le passage. On va essayer de les choper, donc cet épisode ça va être de la balade, de l'amour et avant tout de la rigolade évidemment. On apprécie et on va voir si on aura le temps de faire notre prochain temple. Merde, les rebelles ont pris ce site. D'accord, donc il y a les rebelles juste ici. Juste ici à côté d'un des médaillons. Alors vous l'aurez compris, les médaillons, c'est soit une quête. Oh, quoique j'ai un lance-grenade, je peux le faire très rapidement. C'est soit une quête, enfin soit une énigme, une petite énigme, soit une phase de gunfight, soit tout simplement un peu d'exploration. Et là, on est dans une phase de gunfight. Bon, allez, c'est chiant. Vous êtes sympa. Voilà, allez, c'est terminé. Quoi? Quoi? J'ai fait le malin. Et qui fait le malin? Quoi? Mec! Ah, c'est bon. C'est bon, c'est terminé ou pas? Il m'en reste une, alors autant l'utiliser, n'est-ce pas? Waouh! Essaye un peu. Waouh! Ah la vache! Oh là 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 là, le petit combo on a pris. Allez, ça dégage. Ça dégage, ça m'a saoulé. Ok, bah c'est terminé, c'est terminé. Bon les gars, j'avoue j'ai fait un peu le malin, j'ai voulu doser. Je me suis fait doser finalement. Tiens, on va récupérer ça. Je pense que il y aura peut-être un Shine Lake encore une fois là-dedans. Oh. Bah d'accord. On verra en sortant les gars. On va s'en occuper en sortant. Alors maintenant faut trouver les deux points. Allez, c'est quoi ces conneries? Eh bah putain, c'était long. Ok. Ok, une P90. Eh, mais pourquoi pas? Pourquoi pas l'essayer? On l'a pas encore essayé. Voilà, hop, ça, ça dégage. Bah, attends. Eh, on rigole. Mais est-ce qu'au final... D'accord, il y a tout qui a explosé là-bas, je comprends pas pourquoi. Depuis quand une grenade fait exploser autant de Kamtar? Et ben voilà, allez ça dégage. J'ai pas le temps pour vos conneries. La musique qui s'excite à chaque fois, c'est terrible. Quoi? C'est bon? Ah là, cette fois-ci c'est bon. Attention quand même, hein. Attention, il n'y a pas de grenade illimitée, vous l'aurez compris. On va récupérer toutes les grenades ici. Bon, P90, pas ouf. Elle a une bonne cadence de tir, mais pas précise. Comme chaque P90 dans chaque jeu d'ailleurs au passage. Donc on peut... Oh bah le voici. Le voici, on va pouvoir partir. Un nouveau jeton. Et on va récupérer... T'as trouvé quelque chose? Attends, me dis rien. T'as trouvé un autre jeton. Ding ding ding. Yes, jackpot. Ok, et ben on va pouvoir aller récupérer de ce pas tous les autres jetons. Et comme d'habitude, ma voiture disparaît à chaque fois. Non, ça va, ils l'ont laissé, ils ont pas été cons. Sinon c'est un petit peu terrible. Voilà, on va passer par ici, c'est le petit raccourci que je connais bien. On va retourner dans notre véhicule et direction le prochain jeton, ils étaient tous l'un côté de l'autre, ça c'est plutôt cool. J'espère qu'il va y avoir encore une petite énigme, ça serait sympa, j'adore les énigmes, vous le savez. Je suis très friand d'énigmes maintenant. Alors, par contre je vais éviter de faire cette fois-ci le quatrième temple, parce que je sais pas ce que ça va faire en fait. Et j'ai pas envie de gâcher mon opportunité. Le pont est au-dessus. Le pont est au-dessus, va falloir qu'on retourne là-haut. J'ai pas envie de gâcher mon opportunité de récupérer ce trésor qui doit être quand même pas mal, qui doit être très sympa derrière tous ces jetons. Mais regardez-moi cette beauté. Évidemment, j'espère que vous regardez chaque vidéo en 1080-60 fps. C'est le minimum que je dois vous fournir. Ok, on est bon là, attendez. Je traversais le pont, c'est toujours en face.
C'est plus vers là-haut, très bien, je vois pas trop où ça peut être. On est déjà passé par ici, souvenez-vous. Même que j'étais étonné qu'il n'y ait pas eu de gunfight. Je suppose que ça doit être là-dedans. J'ai juste jeté un coup d'œil. Ouais, on ne bougeait pas, yes. Et c'est plus exactement ici. Enfin là-dedans. Ou au-dessus en tout cas, mais c'est quelque part. C'est quelque part, donc on va voir ce que ça donne. Peut-être en montant, tout simplement, je sais pas. D'accord. Je suis exactement sur le point. Alors par contre, je suis sur le point, mais il n'y a rien à faire. C'est assez terrible. Ah, c'est peut-être là. C'est peut-être là. Bougez pas. Je pense que c'est plus ici. Il y aura encore des trucs à activer, hein, vous l'aurez vu. Vous l'aurez compris. Ok, je pense que c'est plus par ici. Arrêtez-moi si je me trompe, je sais pas. Je sais pas, c'est très bizarre. Ça a l'air d'être par ici. Mais il n'y a rien. Il n'y a strictement rien ici. Pas de jetons. Non, c'est pas. On peut pas monter là-haut. Ok. Peut-être en dessous, tout simplement. Ça doit être dedans, non? D'accord, très bien, bon. Ok. Bah écoutez, je pense qu'il faut faire le quatrième temple, qu'on n'a pas trop le choix à ce niveau-là. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est pas du tout, mais pas du tout possible de le récupérer. En tout cas, de ce que j'ai vu, on verra. On verra, on va se diriger aux autres jetons, et puis l'avenir nous le dira, si j'ai raison ou non, mais on va pas insister, les gars, on va pas rester 3 heures sur un site où je ne peux pas l'avoir. Ce putain de jeton, donc autant passer aux autres jetons. Et puis vous me direz en commentaire si j'ai tort ou non. Quoi qu'il en soit, sans spoiler, hein, évidemment, je vous fais confiance. Soyez raisonnables, les amis, ça serait dommage de subir le gourou à cause de choses aussi futiles. Ok, c'est par ici. Je pense que c'est le clocher là-haut que vous voyez. Je pense que le jeton, c'est là. Ah la vache, c'est pas mal ça. Allez, des petites cascades, on apprécie. Ok, arrêtez-moi si je me trompe. Je me suis trompé. Je me suis totalement trompé. C'était là-haut. Enfin, c'est pas évident. On est obligé d'ouvrir sa carte toutes les deux secondes. On peut pas se mettre de repère. Après, ça permet d'explorer au final. C'est plutôt pas trop mal. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Je pense que c'est là-bas. J'ai juste jeté un coup d'œil. Je pense que c'est là-bas. Arrêtez-moi si je me trompe. Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Et en plus, tiens, peut-être une petite énigme, les gars. Peut-être une petite énigme et ça me ferait extrêmement plaisir. Et je ne peux pas passer par là. Très bien. Grappin là-haut, non, c'est pas possible, non. On va passer par ici tout simplement. Je suppose que c'est par ici. On va passer là-haut. Cette poutre n'est pas là pour rien, n'est-ce pas? Voilà. Je suppose qu'il faut mettre un petit coup de grappin quelque part. Yes. Mais alors par contre, faut aller où comme ça là? C'est bien, on va se laisser Tarzan. Ah, d'accord, on est bon. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a une caisse ici, on verra plus tard. C'est pas mal ça. Allez, on a enchaîné, c'est très très beau. Évidemment. Une petite grenade par ici. Yes, reine de la jungle, c'est normal, les gars. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? C'est tout? Il n'y a pas d'énigme, rien, les gars. J'ai plein de petits copains qui t'attendent, tu sais. C'est terrible. Ok, un nouveau jeton. Bon, on n'a rien de plus, malheureusement. On va pouvoir essayer de voir ce qu'il y a un peu dans cette caisse. Cette caisse, vu où elle est placée, les gars, je sais pas qui s'est galéré à la placer ici, d'ailleurs. Mais elle a l'air pas mal. Ah, très bien. Ah. Ok, je sais plus ce que je fais. C'est terrible. Ok, c'est bon. C'est bon, c'était sur le passage, aucun souci. On va la récupérer, ça a l'air pas mal. De toute façon, j'ai pas d'armes, autant se faire plaisir, n'est-ce pas? Ok. Allez, voilà. Hop, c'est par ici. C'est chiant quand même. C'est chiant surtout quand il y en a trois et qu'il n'y a pas d'ennemis. Donc il n'y a pas de but de rendre le truc... Oh putain de merde. Qu'est-ce que c'est? On l'a déjà vu celui-là, non? En plus, je crois qu'il est... Non, j'allais dire, je crois qu'il est équipé d'un silencieux. Pas du tout, mais ça sera mieux que le Rafika. Ok, bah on est parti, les gars. On est parti. Un petit saut sur place pour voir si les chaussures, les lacets sont bien faits. J'ai trouvé un truc qui brille. Ok. Ok,
Bon, allez, direction les autres jetons. Il est temps de voir la carte. Alors, il y a un jeton, comme je disais, qu'on ne peut pas récupérer. On en a récupéré deux, c'est plutôt pas mal. Il y en a deux autres, direction le temple. Alors, qu'est-ce qu'on a en haut à gauche? Je n'ai pas vu... Je vous avoue que j'ai pas vu vos commentaires. Donc, c'est terrible. Vous pouvez me punir, c'est normal. Je le mérite. Donc, on y va. On va récupérer les deux jetons. On va faire le petit temple. Et puis, on est pas mal, déjà. Ok, on a un jeton juste ici. Il y a une petite escouade de rebelles. Voyons ça de plus près. Où ça, tu vois une escouade de rebelles? Ok, un éléphant. D'accord. Ok, c'est par ici. C'est par ici, mais de toute façon, est-ce qu'on va pas remplir d'eau par hasard? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on va pas remplir d'eau? Là, on a quelque chose. D'accord, une photo. Mais ça va pas me donner le jeton, ça. Hein. Ça va clairement pas me donner le jeton. Est-ce que ça va pas... Est-ce qu'on va pas remplir d'eau et le jeton est au-dessus? On est d'accord que c'est l'éléphant, hein. Ouais, c'est l'éléphant, c'est l'éléphant. C'est l'éléphant. On va tenter quelque chose. Il me semble qu'ici, on avait papier. Yes! Yes! Le génie encore! Le génie qui a parlé! Ok. Donc, c'est là-bas. Attends, on est où, là, les gars? C'est une grotte souterraine? Mais pas vraiment souterraine. Ok, on a le jeton. Impeccable. Un nouveau jeton! Mais c'est incroyable, encore ça va vite. Encore un jeton Aïssala pour ma collection. Ça va vite. Alors, peut-être que finalement, c'était ça. Il y avait un trou quelque part. Et on pouvait nager. On va refaire un petit tour. Je pense que c'est ça. Je vois pas pourquoi ils nous auraient forcé à... Pour un jeton à faire les quatre... Ouais, c'est ridicule. On est bien d'accord là-dessus. À faire les quatre temples. Oh là là, mais comme c'est beau. Comme c'est incroyablement beau. Ok, on est parti. Il y a quelque chose d'intéressant. J'ai eu un peu de chance. Beau travail. Encore un nouveau jeton. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a? On a toujours notre jeton au milieu. J'hésite à faire demi-tour, mais vous savez quoi, on va s'occuper de celui-ci. Un petit peu plus haut, de toute façon. Il est par ici. On va juste là. Traîner. On va mettre les jetons et on va voir ce que ça fait, d'accord? Ça me paraît pas mal, ça me paraît être le meilleur des plans. Et si ce plan échoue, eh ben tant pis. T'as mis le jeton que t'avais trouvé? Je l'ai mis à l'abri. Tu l'as dit à Asa? Allez! J'ai pas le temps pour vos conneries! Je fais le tour! Pardon? Tu fais quoi toi? Tu fais pas grand chose! Ok, le jeton était par ici. Le jeton était par ici. Il a donc bel et bien été mis à l'abri. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Où es-tu? Où êtes-vous, monsieur? C'est pas vrai! Il a un lance-roquette! Totalement irresponsable! Faut pas tirer à la roquette comme ça! Okay. C'est bon. On est tranquille. Examinons les parages. Ok, vous savez quoi? On va peut-être laisser là. Peut-être laisser ça là. Ok. D'accord, forcément, hein. Forcément. Et tu remarques rien à propos de cette statue? Elle porte un arc. L'un de nos trois symboles. Oui, et elle pointe en direction de ces ruines. Carrément. Bien vu. Au moins, je sers à quelque chose. Va falloir qu'on escalade jusque là-bas. Ouais, c'est souvent comme ça que ça marche. Ouais, mais attends. Je viens pour un jeton, moi, les gars. Je viens pas ici pour souffrir, hein. Il est où, ce putain de jeton? J'aurais dû le laisser terminer, sa putain de conversation. Merde! Ça va être terrible! Ou peut-être ce jeton? À l'abri. Il a dit il l'a mis à l'abri, alors. Étant donné que c'est un garde... Il l'a sûrement mis là-dedans, non? Je ne vois que ça. Allez. Oh putain, et ils ont tous trois de protection, c'est assez terrible. Est-ce que c'est là-dedans? Et pas du tout! Si. Yes! Ah, allez! Voilà. C'est bon ça! Et hop! Je l'embarque. C'est bon ça, on a je pense tous les jetons. Il nous en manque un. Et ce jeton, alors par contre attention, le jeton qui nous manque,
il va être assez compliqué. J'en vois pas d'autres, hein, on est bien d'accord. Hein. Je vais mettre tous les autres jetons en place, j'en vois pas d'autres. Je vois pas pourquoi faudrait passer en hauteur. Je pense que c'est un petit trou dans l'eau. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça, je vois pas pourquoi ça serait par l'arbre. Ça serait totalement ridicule. On y va quand même, on sait jamais, sur un malentendu. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Ah, très bien. Allez, hop, le malentendu a été très très vite réglé. On va récupérer notre voiture qui est juste ici. On retourne sur notre lieu. On n'a pas réussi à trouver le jeton. Et on va essayer de voir s'il n'y a pas un trou dans l'eau, quelque chose. Allez, il y a une petite coupure. Ne paniquez pas. Rien d'anormal. C'est juste que bah on a traîné un peu dans le ghetto. Et on va pas perdre de temps inutilement. J'essaye de voir si au sol il n'y a pas un trou, mais ça me paraît assez compliqué. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Où est ce putain? Et là, c'est des murs destructibles. Où peut bien être... Où peut bien être ce jeton? Attendez. Vous n'allez pas me faire galérer, les mecs. Vous pouvez pas me faire ça à moi. Non. Il va y avoir quelque chose au milieu. Il va y avoir quelque chose au milieu. Oh, qu'est-ce qu'on a là? D'accord. D'accord, 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 d'accord. Oh, des fontaines. C'est quoi ce bruit? Ok, des fontaines. Ça me dit pas du tout où est la médaille, mais enfin. Ça s'est arrêté. Ok, ça s'est arrêté, donc je suppose qu'il faut toutes les arrêter. Mais alors, est-ce que ça reprend au bout d'un certain temps? J'en ai strictement aucune idée. C'est donc une petite énigme que nous avons là. Ouais, casse pas trois pattes à un canard, mon frère. Je crois que c'est un truc. Ok. C'est par ici. Très bien. D'accord, faut juste arrêter les fontaines. Aucun souci, aucun putain de souci. Pour le plaisir des yeux. Lucas. Et ouais, il est où? Oh putain, il est là-bas, ok. Allez. Je crois qu'il y a une sorte de compte à rebours. Merde, j'ai pas été assez... Merde! Merde! Ok, on va la refaire. C'est terrible! Putain, c'est à cause de là-bas, ça m'avait fait perdre tellement de temps. Mais c'est pas vrai! Merde! Ok. C'est pas grave, là on peut se permettre de tomber très rapidement. Évidemment, il y a des plantes, hein. Des putains de plantes! Qui te bloquent! Mais merde! Ok, c'est bon. Restons calmes. Restons calmes en toutes circonstances. Ok, là on est large. Hein. On est très très large, je pense. On est même méga large. On pourrait le faire deux fois. C'est bon. J'entends encore ce bruit. Il y a une autre fontaine? Ah, retour à la case départ. D'accord. Yes! Et c'est un jeton qui vient d'apparaître! Et voilà qui font. Et ben on est bon, les gars! On est bon, on a tous les jetons! On a tous les jetons de cette carte et c'est incroyable! Alors, où est notre véhicule? Notre véhicule est là-haut. Donc, direction le petit temple, y mettre tous nos jetons et voir un petit peu ce que ça va nous offrir. J'en ai strictement aucune idée. C'est pour ça que j'évite de temps en temps de voir les commentaires pour éviter les spoilers. Vous devriez faire de même pour ceux qui suivent cette aventure assidûment et qui n'aimerait pas être spoilé, c'est tout à fait normal et légitime, les gars. Ok, donc direction. Bah, direction tout là-haut. Petite TP vidéo, on apprécie, ça fait une transition, on adore. Et on se retrouve directement là-bas. Quoique, vous savez quoi, je vais pas le faire. Étant donné qu'on a récupéré pas mal de jetons, je vais pas faire ça plus le temps, ça va faire, pardon, une vidéo un peu trop longue. Donc, vous savez quoi? Eh ben, on y va. On y va en voiture. Et ça va nous permettre de discuter tous ensemble. Racontez-moi un petit peu comment c'est passé en commentaire votre rentrée. Ça fait maintenant une semaine et demie, hein, bien évidemment, une semaine et demie à deux semaines que vous êtes
rentrer. Donc dites-moi un petit peu comment ça s'est passé. Et là, par contre, je vous promets que je lis vos commentaires. Il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Je ne vais pas vous trahir. Et vous savez quoi? S'il y a des choses intéressantes qui ont été dites, eh ben, on en parlera dans le prochain épisode. Et je citerai vos commentaires. Ça peut être très sympa aussi. Pourquoi pas? Ok, c'était par ici, c'est ça? Ah non, attends, c'était compliqué là d'accès ça. Non, pas du tout. Pas du tout MDR, c'était juste ici. On est parti, on va y mettre nos médaillons. Et après, c'est bon ? Je te suis. On va voir ce que ça nous offre. Je pense que ça va nous offrir un autre accès. Quelque part. Il y a fort moyen. Il y a fort moyen. Ok. Je me trompe peut-être. Hein. Et en plus, je crois qu'il y avait un trésor. Nous y voici. Nous y voici, nous y voilà. C'est parti, on met tous nos jetons. Régale-moi, régale-nous. Ok, ok. Un joli cadeau. Je dirais même un très joli cadeau. Ok, on a une sorte ça de... rapporter un petit paquet à la vente. Sauf si je le garde. D'accord, elle veut le garder, pourquoi pas, c'est tout à son honneur. Allons voir. Il y aura peut-être quelque chose pour toi. Vous avez trouvé le rubis de la reine. Le rubis de la reine détecte les trésors proches. Vous pouvez le désactiver dans le menu pause. C'est moi la reine. Oh, un petit trophée. En argent, ça fait toujours plaisir. C'est toujours bon à prendre. Ok, on va voir. Là, on va voir là où ça va être. C'est très bizarre. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ah, mais c'est de l'autre côté. D'accord, c'est là où il y avait. Quoi? Quoi ce bruit? Ce bruit infernal. Attends, c'est de ma gueule là. Hey, regarde qui est là. Je ne sais pas qui. C'est adorable. Vous me prenez pour des connards. Oh, et là tu rougis. Yo les gars. Alors ça se passe? Waouh! 1 2 3 Ah d'accord. Ok, c'est bon. Il y a la suite, ça met un peu de temps à s'afficher. D'accord, 3 trésors, c'est très sympa ça. Désolé les copains, j'ai pas de banane sur moi. Au moins ça, c'est fait. Ok, ok, ok. Chasseur de trésors débutant, c'est incroyable. Ça m'a déverrouillé un petit... Ah, qu'est-ce qu'on a là ? Arrête, c'est vrai ? Ils peuvent, hein, mais ils le font pas dans la nature. Ils se contentent d'insectes, de noix et de feuilles. Les bananes, c'est trop sucré pour eux. Ah, oh, mes références s'écroulent. Bientôt, tu vas me dire que le lapin de Pâques n'existe pas. Celui-là, il existe vraiment. Ok. Bon, bah écoutez, les gars, je pense qu'on va pouvoir se laisser là. On a trouvé 3 trésors, on a récupéré tous les jetons. Et on a le joyau de la reine, et ça, c'est plutôt cool. Et très sympa, qui nous offre la possibilité de voir où sont les trésors à côté. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et puis... dans la prochaine vidéo, eh ben on va avancer et je pense changer de chapitre et attaquer le chapitre 5 dont je n'ai aucune idée du titre. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Cette vidéo fut courte, mais fort sympa. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.